La princesse Charlène est revenue à Monaco il y a quelques semaines à peine. On dit maintenant qu'elle a de nouveau éclaté. On dit qu'elle vit actuellement en Corse. Le prince Jacques, 7 ans, et la princesse Gabriella de Monaco, 7 ans, ont dû se passer de leur mère pendant des mois. La princesse Charlène, 44 ans, a lutté contre de graves problèmes de santé lors d'un voyage en Afrique du Sud. Ses médecins lui avaient donc donné une interdiction de vol. Ainsi, alors que ses jumeaux et son mari le prince Albert, 64 ans, venaient à Monaco, elle a dû rester dans sa maison d'origine. Enfin de retour en Europe. Charlène n'est pas restée longtemps à Monaco, mais s'est rétablie dans une clinique à l'étranger. Ce n'est qu'en mars que le palais a annoncé la bonne nouvelle que la princesse était revenue dans sa famille, mais ce séjour à Monaco n'a évidemment pas été de longue durée. Charlène serait repartie entre-temps. La princesse Charlène serait en Corse. Selon les médias, moins de deux semaines après son arrivée à Monaco, la femme de 44 ans a de nouveau été vue à bord d'un avion. Comme le rapporte aujourd'hui le journal italien Corriere della Sera, l'avion de Charlène a apparemment fait route vers la Corse. Le départ présumé de Charlène du palais monégasque n'a pas encore été confirmé officiellement. On ne sait pas non plus encore ce que font les anciens Olympiens sur l'île française et où ils y séjournent. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Charlène passe du temps en Corse. En fait, la princesse a fait l'éloge de l'île dans des interviews dans le passé.